charge de l'Union contre les anciens combattants va vous être délivrée par le Conseil municipal des jeunes. Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France retentissent pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois. Dès lors, notre pays se couvrit d'un manteau de monuments aux morts où furent gravés leurs noms, les noms de tous ceux qui, enfants de ces villes ou villages, ne connurent aucune exception, avaient donné leur vie pour la sauvegarder de notre patrie. Au fond de l'âme de chaque Français, ces monuments avaient sans doute valeur de talisman destiné à exorciser l'indicible et afin que celle que l'on dénomma la Grande Guerre fût la dernière. Hélas, aujourd'hui et depuis 20 mois, la guerre est de retour en Europe. Et comble d'ironie, on y retrouve des ingrédients de la Grande Guerre, tels que des tranchées qui figent le front et le rôle déterminant de l'artillerie. Mémoration qui, compte tenu du contexte, revêt un aspect particulier et doit servir d'alerte. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus comme de tous les morts pour la France, de toutes les guerres, rappelle l'un de ses objectifs fondamentaux, supposé à tout règlement de conflit par la guerre, l'obtenir par la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la paix et œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. Vive la République, vive la France.